continuer notre journée de jugement. J'ai opté pour la jeunesse en première position. Pour moi, une gagnante facile aujourd'hui. Elle l'emporte devant notre belle jeunesse en deuxième position. La jeunesse en première demande plus de largeur de sa poitrine, plus de longueur dans ses côtes avant et arrière. Une jeunesse qui est un petit peu plus stylée que notre belle jeunesse en deuxième position. Notre jeunesse en deuxième position devant notre jeunesse en troisième position. Jeunesse qui demande plus de tempérament laitier, plus de raffinement au niveau de sa cuisse, au niveau de sa tête, de son cou aussi. Notre jeunesse en troisième devant notre jeunesse en quatrième position. J'ai opté pour notre jeunesse en troisième, surtout au niveau de la largeur de notre jeunesse. Plus de largeur au niveau de sa poitrine, plus d'espacement au niveau entre les pattes avant de notre jeunesse. Un museau qui est plus large aussi de notre jeunesse en troisième position devant notre jeunesse en quatrième position avec beaucoup de style. Et notre jeunesse en quatrième position devant notre jeunesse en cinquième position. Jeunesse qui se déplace beaucoup mieux sur ses membres arrière aujourd'hui. Félicitations à tous. Really nice class of the for this class of the brown Swiss breed. I'm hope for the first heifer. It's an easy winner for me today. Really fancy calf for start the class. I'm hope for the first over the second. She's a little bit more long, a little bit more open rib too today, more wide before the calf in the second place. Second over third place, it's a calf with more feminine about your all the part of the body, and the third over fourth, it's a calf with the more wider about your open rib behind your front legs too, and the fourth over fifth, it's a calf with the more daringness, and congratulations everybody.